Nous sommes ici donc à la paroisse de la Sainte Trinité. Cette paroisse est rattachée à notre archevêché, qui est l'archevêché des paroisses russes en Europe occidentale. Et nous sommes dans la crypte de notre cathédrale. Et nous sommes réunis ici avec la chorale de notre paroisse pour un office d'intercession qu'on appelle un molébem. Actuellement, avec le Covid, avec ce coronavirus, plus personne ne sait un peu où s'orienter. Il y a une désespérance, il y a véritablement des angoisses. Et souvent, on entend, mais que fait l'Église? Comment est-ce qu'elle peut répondre? Eh bien, elle peut répondre, outre par toutes les œuvres qu'elle fait, mais surtout et essentiellement par la prière, par l'intercession. Béni soit notre Dieu en tout temps, maintenant et toujours, et pour les siècles des siècles. La pandémie que nous connaissons actuellement n'est pas la première dans l'histoire. Et en particulier, il y a eu deux très grandes pandémies de peste, et la peste c'était quand même autre chose que la Covid, qui ont touché le monde byzantin. Et la première porte le nom d'un empereur byzantin, puisqu'on parle de la peste de Justinien. L'empire de Justinien à cette époque couvrait pratiquement l'ensemble du monde méditerranéen. Son empire a été l'épicentre de cette première pandémie de peste qui apparaît en 541 en Égypte, qui se répand d'abord dans le Proche-Orient et puis à Constantinople et ensuite en Italie, en Gaule, en Espagne, etc. Ensuite, l'Empire byzantin a été l'un des premiers pays touchés par la grande peste qu'on a appelée la peste noire, qui a débuté au milieu du XIVe siècle et qui est revenue par vagues successives pendant plusieurs siècles de crise de peste. Seigneur, ne me reprends pas dans ta colère et ne me châtie pas dans ton irritation. Tu m'as percé de tes flèches et tu as appesanti sur moi ta main. Il n'y a plus de paix dans mes os à cause de mes péchés. Car mes iniquités me dépassent la tête comme un fardeau pesant, elle pèse sur moi. Les historiens de l'époque, dans les deux épidémies de peste, nous décrivent l'arrivée d'une maladie qu'on ne connaît pas, même la peste noire, parce que la mémoire de la peste de Justinien, au fil des siècles, s'était perdue. Donc, à chaque fois, on a l'impression qu'on a cette maladie qui arrive brusquement, qui se met à se répandre, et avec une mortalité effrayante qu'on ne se représente pas. Par exemple, à Constantinople, aussi bien la première peste que la seconde peste, le nombre de morts pouvait atteindre 10 000 en un jour. Le terme le plus fréquent dans les sources, on parle du thanatikon, c'est-à-dire de la mortalité. Ceci s'est passé lors du grand thanatikon qui a touché telle ville, etc. Et puis, surtout l'irrationalité de cette maladie qui touche les jeunes, les vieux, les gens en bonne santé, les malades, les riches, les pauvres, d'une façon qu'on n'arrive pas à comprendre. Dès la peste de Justinien, Procope de Césarée, qui est le grand historien du règne de Justinien, Procope dit « ce qui frappe, c'est une maladie totalement irrationnelle ». Même chose pour la peste noire. Le premier historien qui nous en parle, c'est l'empereur Jean Cantacuzène, puisque c'est sous son règne, au début de son règne, que la peste est apparue. Il dit, eh bien, la peste frappait au hasard n'importe qui, avec tout ce qui s'ensuit, c'est-à-dire un nombre de morts tel qu'on n'arrive plus à enterrer les morts. On fait des fosses communes, parce qu'il y a tellement de morts qu'on ne peut pas faire un office.
Extrait des souvenirs de Jean Cantacuzène, empereur byzantin, à propos de l'arrivée de la peste noire à Byzance. Automne 1347. Le mal était si invincible qu'aucun traitement, aucune robustesse physique ne pouvait lui résister. Car la maladie saisissait de la même façon tous les organismes, les plus vigoureux comme les plus faibles. Et ceux qui étaient le mieux soignés mouraient de la même façon que ceux qu'on négligeait. Aucun art des médecins n'était efficace. Et le mal n'était pas le même chez tous. Les uns mouraient tout de suite, sans avoir résisté une seule journée, et d'autres, pas même une heure. Le remède qui était bénéfique à l'un s'avérait un poison mortel pour un autre qui souffrait du même mal. Beaucoup de maisons se trouvèrent vidées de leurs habitants, et les bêtes aussi mouraient comme leurs maîtres. Le désespoir était effrayant. Car lorsque quelqu'un s'apercevait qu'il était atteint, il n'avait plus aucun espoir de salut. Cette espèce de maladie dépassait la raison, si bien qu'il apparaissait que ce n'était pas une maladie coutumière et adaptée à la nature humaine, mais quelque autre fléau imposé par Dieu aux hommes. L'Église s'est trouvée confrontée donc à une crise morale gigantesque, parce que les gens, devant l'ampleur de la mortalité, devant l'impossibilité de trouver une raison à ce qui se passait, eh bien, il y avait toutes sortes de réactions. Certains croyants, certains fidèles se sont mis à soit dire « Dieu, ça lui est complètement égal, il est indifférent, il ne s'intéresse pas à nous ». Si Dieu existait, il n'y aurait pas tout ça. Soit, disait, il n'y a pas de Dieu, mais il y a la fatalité. Donc, il y a le fatum antique, la fatalité, le destin, c'est-à-dire un retour au paganisme antique. Et donc, face à tout cela, l'Église devait absolument réagir. Alors, il y a eu plusieurs réactions. Je vous ai dit que quelquefois, on qualifiait la pandémie de thanatikon, de mortalité, mais on a un autre terme pour qualifier la pandémie, c'est la colère de Dieu. Et on peut aussi dater, c'était à l'époque de la grande colère de Dieu qui a frappé, par exemple, la ville de Thessalonique. Pour comprendre cette colère de Dieu, il y a deux interprétations. C'est, nous avons tellement péché que Dieu nous punit. Voilà, c'est un châtiment. Ça, c'est très répandu dans le peuple. Et puis, les prêtres qui ont en charge leurs fidèles vont, en s'appuyant sur les pères de l'Église, hein, ils n'inventent pas, dire « ça n'est pas un châtiment, c'est un avertissement ». C'est-à-dire que Dieu pense que si vous continuez comme vous le faites, eh bien, si vous suivez la voie que vous suivez, vous allez à la catastrophe et vous serez tous perdus. Et donc, la pandémie, c'est un avertissement, c'est une paideia qui veut dire éducation. D'ailleurs, en français, on a le terme une correction. C'est un avertissement, une éducation pour nous faire nous convertir. On va dans une mauvaise direction, Dieu nous force à changer. Toi qui ne désires pas la mort des pécheurs, mais qu'ils se convertissent et qu'ils vivent, toi la source de vie, veille à nous vivifier, nous qui sommes dignes de la mort selon ton juste jugement. Car tu es le Dieu qui a pouvoir sur les vivants et sur les morts, nous t'en prions en larmes et à grands cris dans l'affliction de notre cœur, écoute et prends pitié. Il y avait un problème théologique qu'il fallait aborder, parce qu'il en allait de la foi des fidèles. Cette question théologique, c'est essentiellement quel est le rapport entre Dieu, la foi et la marche naturelle du monde, c'est-à-dire le débat entre les causalités spirituelles
étiologiques et les causalités naturelles. Alors, c'est un débat qui a beaucoup agité les milieux ecclésiastiques, aussi bien dans la première grande pandémie que dans la seconde. Et dès la première pandémie, on a un théologien qui est assez peu connu, mais qui mérite vraiment d'être mieux connu parce qu'il a une pensée théologique extrêmement équilibrée. C'est Anastase le Sinaïte. Pourquoi le Sinaïte ? Parce qu'il a été moine au monastère Sainte-Catherine du Sinaï. C'est un défenseur du Concile de Chalcédoine, donc vraiment un théologien orthodoxe. Mais il était aussi médecin, et un médecin hippocratique. Or, Hippocrate, c'est le médecin grec qui a, au 5e siècle avant Jésus-Christ, désacralisé la maladie. Il a écrit un traité sur la maladie sacrée, c'est-à-dire qu'on pensait que l'épilepsie était une maladie envoyée par un démon ou par les dieux, et il expliquait que non, c'était une maladie qui avait des causes tout à fait naturelles. Alors Anastase a cette double formation de théologien et de médecin rationnel. Et donc Anastase va beaucoup réfléchir et il va élaborer une réflexion théologique sur les relations entre ce qui se passe dans le monde et le plan de Dieu. Et il va dire, il va revenir à l'origine, à la création du monde. Au moment de la création du monde, Dieu a créé les éléments, l'eau, le feu, l'air, la terre, qui vont être les matériaux avec lesquels il va créer le monde matériel. Et puis il a créé l'homme. L'homme, comme les animaux, est régi par les éléments matériels. Mais le monde matériel ne fonctionne pas comme Dieu l'avait prévu à l'origine, puisqu'il a été affecté par la chute d'Adam, et c'est ce qui fait que, eh bien, les maladies apparaissent. Les extraits de la 17e homélie du Saint Jean Chrysostome sur l'expulsion d'Adam du paradis, 4e siècle. Or Dieu dit à Adam, « Parce que tu as mangé du seul fruit dont je t'avais ordonné de ne point manger, parce que tu as négligé d'observer mon commandement, la terre est maudite dans ton œuvre. » Observons l'emphase et l'ironie secrète de cette expression, « le seul fruit ». C'est comme si Dieu dit à Adam, « Est-ce que je t'avais étroitement restreint l'usage des fruits de mon jardin ? Ne t'avais-je pas, au contraire, placé au sein d'une riche abondance ? Et ne t'avais-je pas abandonné tous les fruits du paradis terrestre, à l'exception d'un seul ? Elle est donc insatiable, ton intempérance, qui, peu satisfaite de tant de biens, ne s'est point abstenue de ce seul fruit. Que te revient-il maintenant de ton péché ? Avant cette transgression, tu avais tout sous ta main. Je t'avais mis comme chef à tout ce qui est sur terre et dans les eaux. La terre d'elle-même offrait son fruit aux êtres qui lui étaient soumis. Après la transgression, la convoitise irréfléchie se mit à contrôler ton intellect raisonnable. Tu devins désobéissant au commandement divin. La création qui t'était soumise se révolta contre toi. Désormais, la terre, si tu ne l'ensemences et si tu ne la cultives, elle ne te donnera plus comme auparavant ses diverses productions. Tu auras les maladies et de continuelles fatigues, en sorte que tu ne réussiras en quelque chose qu'au prix de tes sueurs. Ainsi, cette dure existence te sera une continuelle leçon d'humilité, un souvenir de ton néant qui réprime l'arrogance de ton orgueil. L'homme est créé comme un animal, mais il a quelque chose en plus, qui est son âme, inspirée par Dieu lui-même au moment de la création. Or, cette âme, elle ne dépend pas des éléments matériels, parce que Dieu l'a dotée de quelque chose qu'elle est seule à avoir, qui est le libre arbitre. C'est-à-dire que l'homme a à la fois un corps qui est soumis
aux contingences du monde matériel, mais il a aussi une âme avec la possibilité de choisir. Et Anastase en profite pour dire qu'il n'y a pas de lien direct entre la maladie et le péché. Si la maladie était le salaire du péché, les animaux qui ne pêchent pas ne seraient pas malades. Or, on voit bien qu'il y a aussi des épidémies parmi les animaux. Donc, il n'y a pas de lien entre maladie et péché, puisqu'ils relèvent de deux gouvernements différents. Le corps sujet aux maladies relève du gouvernement des éléments, et l'âme relève du libre arbitre que lui a donné Dieu. L'homme est sujet aux épidémies par son corps, mais par son libre arbitre, il peut réagir aux épidémies. C'est-à-dire que Dieu ne délivre pas l'homme des maladies, des épidémies, mais guidé par Dieu, il sait comment réagir. Et la première chose que Dieu a donnée à l'homme pour qu'il puisse agir, c'est la médecine. C'est qu'il a, dans la création, mis des plantes Anastase soigne essentiellement avec des plantes, comme toute la médecine hippocratique à son époque. Dieu a créé des plantes médicinales qui peuvent guérir les maladies. Hein. Et il a guidé l'homme pour qu'il sache discerner ces plantes, et il a guidé l'homme pour la création de la médecine. Béni soit celui qui vient, ton nom du Seigneur. Non, je ne mourrai pas, je vivrai, je publierai les hauts faits du Seigneur. Le Seigneur est Dieu, il nous est apparu. Béni soit celui qui vient, ton nom. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle, et c'est là l'œuvre du Seigneur, une merveille à nos yeux. Le Seigneur est Dieu, il nous est apparu. C'est une position théologique qui donc remonte au 7e siècle tout de même, qui a été très minoritaire pendant toute la période byzantine, mais qui va réapparaître au moment de la peste noire. Parce que le choc est le même, parce que les questions, les interrogations sont les mêmes, et la pensée d'Anastase, qui était restée mezza voce, va ressurgir sous la plume de Marc d'Éphèse, et qui était moine dans un monastère de Constantinople, qui n'était pas médecin, mais il avait étudié Anastase le Sinaïte. Et quand on l'interroge pour savoir est-ce que ça vient de Dieu, est-ce que c'est Dieu qui dit que un tel va mourir de la peste, un tel va pas mourir, que donc il n'y a rien à faire parce que c'est Dieu qui décide tout, eh bien il va reprendre l'analyse d'Anastase le Sinaïte. Lettre de Marc d'Éphèse au moine Isidore, 417. Le Saint-Père Anastase le Sinaïte a montré de façon rigoureuse qu'on ne doit pas penser que Dieu impose une durée déterminée à la vie des hommes et qu'il n'en est pas l'auteur. Dieu prend soin de toutes choses et il est capable de tout bouleverser comme il veut, mais il délègue chaque événement à la nature et au libre arbitre. Parfois, tel homme est mort par négligence ou parce qu'il a suivi un mauvais régime, ou qu'il est tombé sur des brigands, ou tué à la guerre, ou pris dans un accident, ou noyé en mer par un naufrage. Toutes ces choses, nous disons que Dieu les a connues, et même qu'il les a permises pour des raisons qu'il connaît. Mais il ne les a pas mises en œuvre, ni les a prédéterminées. Comment se fait-il que la peste se transmette de l'un à l'autre et que beaucoup, en soignant les autres, soient morts à la suite de ceux qu'ils soignaient? Qu'ils le disent, celui qui prétend que la durée de la vie est prédéterminée. C'est la nature qui le rend possible directement, ainsi que le moment qui se présente à chaque instant. Donc la pandémie n'est pas envoyée par Dieu, mais Dieu peut nous aider à en faire un moyen pour notre amélioration, à en tirer des avantages positifs.
Écoutons le Saint-Évangile. Paix à tous. Gloire à toi, Seigneur. Il y avait ces débats théologiques qui avaient lieu, mais pendant ce temps-là, les fidèles, il fallait bien quand même les guider. Et l'Église orthodoxe a donc pris en charge la guidance du peuple de Dieu. Il y a eu l'organisation de prières publiques. Il y a eu des supplications pour la cessation des fléaux, en particulier de l'épidémie. Et puis, lorsque l'épidémie était partie, on a en particulier le métropolite de Nicée Théophane qui a composé une prière d'action de grâce pour remercier Dieu de la cessation de l'épidémie. Extrait de la prière d'action de grâce à notre Seigneur Jésus-Christ pour la libération de la peste. Théophane, métropolite de Nicée, fin du XIVe siècle. Seigneur, nous avions glissé et nous étions éloignés de toi, et tu nous as frappés du fouet de la peste et de la mort. Comme un tuteur bienveillant, tu as corrigé notre âge enfantin et immature. Tu voulais par là que nous qui étions asservis et soumis à la mort, nous rompions avec toute malice. Nous te rendons grâce et nous t'exaltons, mus par la crainte et l'amour à cause de la grandeur de tes dons, à cause de ta bonté qui ne se souvient pas des offenses et à cause de tes miséricordes inconcevables, Seigneur. Tu surpasses toute louange et toute glorification, toi qui corriges ta créature, mais ensuite prends soin d'elle. Car tu ne nous traites pas selon nos iniquités, Seigneur, et ne nous rends pas selon nos offenses. À ton jugement, tu as joint ton amour. Tu t'es hâté de nous regarder avec compassion et douceur, et tu as mis fin à l'élan insupportable de la mort et à la plaie qui nous ravageait, en la menaçant comme tu le fis pour la mer et les vents. De nos jours, la pensée d'Anastase le Sinaïte, qui quand même remonte au 7e siècle, la première pandémie, c'est quand même celle qui actuellement nous paraît la plus équilibrée et la plus susceptible de nous donner des clés d'interprétation et des lumières pour savoir comment nous, frappés à nouveau par une pandémie, nous pouvons avoir une attitude qui soit théologiquement fondée. Pour cette cité, pour toute cité, pour ceux qui vivent dans la foi, prions le Seigneur. Pour qu'il entende notre appel depuis sa sainte demeure, qu'il nous guérisse des mortelles douleurs dont nous sommes à la fois la proie et tarisse le flot des iniquités qui nous troublent, prions le Seigneur. Pour qu'il nous arrache promptement au filet de la mort, prions le Seigneur. Je pense qu'on est les héritiers de ces deux façons de réagir à la pandémie qui nous frappe aujourd'hui, c'est-à-dire que aussi bien dans l'Église orthodoxe, avec l'organisation de prières communes entre orthodoxes, pour la cessation de l'épidémie, il y a par exemple un groupe de laïcs orthodoxes tout à fait approuvé par les évêques, qui s'appelle Orthodoxe Unie, qui rassemble des orthodoxes de diverses dénominations, et qui ont entrepris de faire une prière d'action de grâce et prière pour la cessation de la pandémie. Et également dans l'Église catholique, par exemple dans ma paroisse, au moment de l'Angélus, il y a tous les jours une prière pour la cessation de la pandémie. Donc, il y a cet aspect de prière, mais il ne faut pas oublier qu'il y a également l'héritage de ce Anastase le Sinaïte, qui est peut-être le plus moderne
sur ce sujet des théologiens byzantins, qui s'appuyait lui-même sur une tradition, sur saint Basile, sur saint Jean Chrysostome, qui ont un petit peu le même, mais qui n'avaient pas connu les pandémies. Donc c'est lui qui a recueilli leur héritage pour donner une interprétation de la pandémie. Et son enseignement, c'est que nous avons le libre arbitre, que nous ne devons pas être soumis entièrement à cette pandémie, mais que Dieu nous donne, par ce libre arbitre, la possibilité d'agir par la médecine, hein, par les soins médicaux, en supportant et en cherchant les moyens d'échapper à la maladie. Seigneur notre Dieu, qui est riche en miséricorde et qui, avec une diligente sagesse, guide nos vies, écoute notre prière, reçois notre repentir pour nos péchés, mets un terme à cette épidémie. Toi qui es le médecin de nos âmes et de nos corps, accorde la santé à ceux qui sont atteints par la maladie, en les faisant promptement se lever de leur lit de douleur, pour qu'ils puissent te glorifier, toi le Sauveur miséricordieux. Préserve de toute maladie ceux qui sont en bonne santé. Préserve-nous nous-mêmes, tes indignes serviteurs, ainsi que nos parents et nos proches. Bénis, fortifie et garde, Seigneur, par ta grâce, tous ceux qui, avec amour pour les hommes et esprit de sacrifice, soignent les malades dans leur maison ou dans les hôpitaux. Éloigne toute maladie et souffrance de ton peuple et apprends-nous à apprécier la vie et la santé comme des dons qui viennent de toi. Accorde, Seigneur, ta paix et remplis nos cœurs d'une foi inébranlable dans ta protection, d'espérance en ton aide et d'amour pour toi et pour notre prochain. Car c'est à toi qu'il appartient de nous faire miséricorde et de nous sauver, ô notre Dieu. Et nous te rendons gloire, Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours et pour les siècles des siècles. Devant cette pandémie, nous sommes tous déstabilisés parce que ça nous change toute notre vie. Hein, et parce que ça a des conséquences qu'on ne peut pas encore voir. Mais quand même, nous avons cette espérance que Dieu veille sur nous, que donc nous pouvons lui demander le courage de supporter les gros inconvénients de cette pandémie, lui demander de nous aider à en tirer du bien. Et bon, mais de toute façon, on n'a pas connu dans l'histoire de pandémie qui ne s'arrête pas. Donc je crois qu'il faut faire confiance à Dieu, mettre en lui notre espérance. Et comme disaient les Italiens lors du premier confinement, et j'espère qu'ils le pensent toujours, tout ira bien, tutte andrà bene. Que le Christ, notre vrai Dieu, par l'intercession de sa mère toute pure et immaculée, des saints illustres apôtres et de tous les saints, pitié de nous et nous sauve, lui qui est bon et ami des hommes.